De la fidélité à la télévision nationale, en Guinée, la production et la commercialisation du gaz va bientôt connaître une homologation des prix. Le département des hydrocarbures et les opérateurs du secteur ont signé un accord dans ce sens. Il rentre en vigueur le 1er septembre 2021 pour soulager davantage les populations. Reportage Maurice Idibé. C'est la première fois que les prix du gaz butane soient administrés, encadré et mieux structuré en commun accord avec les opérateurs gaziers. À travers ces différentes signatures du protocole d'entente sur l'application des prix officiels de vente du gaz butane aux consommateurs, ces partenaires du ministère des Hydrocarbures s'engagent à respecter le contenu du protocole d'accord. Nous, opérateurs gaziers, Kamagaz, Yagaz, NPGaz, Aficiagaz, Sodigaz, au nom de tous les opérateurs gaziers, nous félicitons le ministre. Nous saluons beaucoup l'initiative parce que pendant longtemps, les prix effectivement c'était pêle-mêle et tout le monde se battait de son côté. Donc aujourd'hui, nous réunir et tomber d'accord sur un prix, faire accepter ça par tout le monde, c'est vraiment salutaire. Avant cette signature, un temps moratoire de 3 mois a été accordé aux opérateurs gaziers de faire écouler tous leurs stocks de gaz. Dès le 1er septembre 2021, le prix officiel administré et homologué rentre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Pour la première fois en Guinée, on parvient à homologuer le prix de vente de gaz butane par l'ensemble des opérateurs gaziers. C'est une réforme majeure. Jamais ça n'a été fait en Guinée. Donc pour la première fois, de concert avec ces opérateurs, on est parvenu à encadrer le prix, à avoir des prix officiels qui seront appliqués pour tout le monde. Et comme Madame l'a dit, qui prendra en compte l'impératif de rentabilité de leur business, mais également qui prennent en compte la nécessité de baisser le prix pour que les consommateurs guinéens puissent avoir le gaz à un bon prix. Au cours de cette rencontre, les autorités du ministère des Hydrocarbures ont tenu à clarifier le prix des recharges officielles des bouteilles de gaz butane. Cette réforme aide à baisser considérablement le prix. Pour rappel, la recharge de la bouteille de 6 kg qui était jusque-là vendue à moins à 120 000 francs par ses opérateurs sera désormais vendue à 69 000 francs guinéens. La bouteille de 12 kg jusque-là vendue à moins à 250 000 francs guinéens sera vendu à partir du 1er septembre par l'ensemble des opérateurs à 143 500. Ce qui est une baisse considérable grâce à la réforme réussie de M. le Président de la République dans le secteur du gaz. Le ministre des Hydrocarbures a remercié au nom du Président de la République les opérateurs signataires du protocole pour leur soutien à la réforme dans le secteur stratégique du gaz butane. Dans l'actualité encore, la structure dénommée Initiative des femmes pour l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire vient d'apporter un appui au groupement des femmes de Bofa. Il s'agit de plusieurs variétés de semences. La remise s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et députés à l'Assemblée nationale. Le point avec Robert Sidi Tolno. À Bofa, ce sont plusieurs groupements féminins qui évoluent dans le secteur maraîcher et rizicole qui ont bénéficié de l'initiative des femmes pour l'agriculture et l'autosuffisance. Cette initiative présidentielle vient corriger un déficit, celui de permettre désormais aux groupements féminins de Bofa de récolter suffisamment à l'hectare. Ici, la situation est peu reluisante malgré l'implication de ces groupements. Une frange importante de la population ne vit pas pleinement des fruits de son agriculture par manque de semences améliorées. C'est justement pour inverser cet état de fait que ces semences de plusieurs variétés de cultures ont été distribuées à ces groupements. Aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner les groupements des femmes de Bofa par la mise en disposition de semences pour qu'elles puissent assurer leur autonomisation financière. Nous espérons que d'autres initiatives pareilles pourront perdurer avant que nous puissions accompagner M. le Président de la République à réussir ce pari d'avoir un pays autosuffisant dans 2 ans. On n'attend pas grand-chose de ces femmes. Ces femmes sont déjà des entrepreneurs agricoles. C'est-à-dire que ces femmes évoluent dans l'agriculture. Nous,
Nous aidons ces femmes à augmenter leur production pour qu'elles fussent aidées. Parce qu'aujourd'hui, c'est la politique du président de la République, professeur Alpha Condé, qui veut essayer d'éradiquer la pauvreté, surtout la pauvreté féminine. Donc nous accompagnons dans les initiatives présidentielles à aider ces femmes pour qu'elles puissent sortir de la pauvreté. Il s'agit de la phase pilote de l'opération qui connaîtra la participation des techniciens du ministère de l'Agriculture pour le suivi des activités agricoles. La gamme des semences distribuées comprend des variétés de riz de maïs, de boutures de manioc et des semences de cultures maraîchères. C'est des semences que nous pouvons utiliser dans le cadre de la culture de contre-saison, c'est-à-dire à partir du 15 septembre jusqu'au 15 octobre. Donc, dans les conditions édaphoclimatiques du milieu, nous pouvons vraiment avoir vraiment beaucoup de sous-produits. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, c'est que le fait que nous avons reçu ces cultures maraîchères, ça y va dans nos activités actuelles. Ces raisons s'expliquent tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons les 11 sociétés minières qui sont là. Nous, les Guinéens, nous sommes des gros consommateurs du riz. Mais les Chinois et autres qui sont dans notre zone, c'est des végétariens qui ont besoin souvent de ces cultures maraîchères. Vraiment, c'est un grand sentiment pour nous. Oui, vraiment. Et puis, je vais le montrer aussi. Vraiment, ce qui nous a aidés, vraiment, ça nous soulageait. D'autres préfectures de la Basse-Côte pourraient bénéficier de cette initiative présidentielle en semences améliorées. La prévention des maladies épidémiques s'intensifie en Guinée forestière. Dans la zone, l'UNICEF lance une plateforme de surveillance à base communautaire. Le but est d'établir une ceinture pour éviter la propagation des maladies. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. La surveillance renforcée des 90 jours post-Ebola se poursuit en région forestière. Pilier de cette bataille déclenchée contre les épidémies en Guinée, la surveillance à base communautaire vient d'être lancée dans le district sanitaire de Nzérékoré. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dirige les opérations dans la capitale du sud-est du pays. Mettre des agents communautaires sur le terrain qui vont faire la surveillance à base communautaire, c'est-à-dire remonter les informations, les alertes au niveau des communautés sur tout ce qui concerne une maladie à potentiel épidémique. Donc ils seront mis en place, ils vont essayer de remonter des informations. Si toutefois ils retrouvent des pathologies sur le terrain, des maladies au niveau des communautés, et ils peuvent informer directement les chefs de centre qui vont essayer de saisir directement la direction préfectorale de la santé. La surveillance à base communautaire demande l'implication de tous les acteurs depuis les secteurs, en passant par les districts jusqu'au niveau du chef-lieu des communes, pourquoi pas des sous-préfectures. Et il y a toute une panoplie de structures qui sont là, d'alertes précoces qui sont instituées à travers les plateformes Une Seule Santé, qui remontent les informations à temps voulu pour que la prise en charge soit rapide sur le terrain. Cette surveillance est menée selon l'approche Une Seule Santé, d'où la participation des acteurs de la santé animale, environnementale et humaine. En tant qu'élu du peuple, notre premier rôle, c'est d'aller vers ces communautés, les sensibiliser. Comment il faut éviter la maladie? Quelles sont les dispositions à prendre pour ne pas être en contact avec, n'est-ce pas, quelqu'un qui est porteur de virus? La Guinée forestière doit impérativement assimiler les notions de la surveillance à base communautaire, ce qui devrait permettre une meilleure protection des populations contre les sales maladies. À Kindia, les acteurs de la société civile, membres de la coalition nationale des organisations de la société civile, renforcent leurs capacités. Le volet de leur formation porte actuellement sur le suivi et évaluation du budget de l'État. Ça est Alpha Yayasila. Ce sont les acteurs de la coalition nationale de la société civile au niveau de la région de Kindia qui apprennent la transparence budgétaire et la réduction des comptes. La rencontre a pour objectif d'outiller les acteurs de la société civile impliqués dans la gestion et le suivi du contrat des endettements et du développement CDD. Une initiative appuyée par le gouvernement guinéen et financée par l'Agence française de développement. Comme vous le savez, en 2012, le président de la République, le professeur Alpha Condé, avait demandé à tous les Guinéens d'attacher la ceinture pour que nous atteignions le PPTE. Après le PPTE, le mécanisme là de contrat d'endettement et de développement a été mis en place par la France pour que les ressources qui seront rétrocédées à la Guinée touchent directement la population à la base. C'est pour cela.
la coordination qui a initié cette formation pour que les acteurs de la société civile aient la capacité d'étudier, d'analyser et de commenter le budget de l'État. Depuis la mise en place d'une loi organique relative à la loi de finances, l'administration publique guinéenne s'exerce à faire la publication du budget citoyen. D'où l'importance pour les acteurs de la société civile à se familiariser avec les instruments de suivi et de gestion du budget de l'État. En le faisant, ça va permettre de pouvoir renforcer non seulement le niveau des acteurs de la société civile, surtout sur les questions de finances publiques qui ne sont pas, certes, n'est-ce pas, le domaine le plus difficile de la finance, mais c'est le domaine le plus essentiel qui permet aux acteurs de la société civile de pouvoir faire un suivi sérieux et honnête sur ce que font les autorités à travers, n'est-ce pas, les ressources publiques qui leur ont été confiées. Depuis deux ou trois années déjà, le budget de l'État est transcrit dans les différentes langues nationales du pays et publié dans les sites. Cela pour que la population prenne connaissance sur le budget du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.